Roulement de tambour, l'heure est grave. On parle de... Moi je m'en vais, moi. Patrick, remonte sur les planches, chez nous, au cabaret aléatoire de la Friche Belle de Mai, avec un spectacle intitulé Qu'à Marseille. Pourquoi ? L'explication est très simple, parce que ce spectacle ne sera joué qu'à Marseille et nulle part ailleurs. Voilà, c'est ça. C'était une façon de remercier votre public marseillais, ça ? Et de me faire plaisir aussi, et voilà, quoi. Parce que bien souvent dans le spectacle, on pense que je parle de Marseille, alors que je parle toujours de personnages comme ça, de la famille. De la famille, des amis. Et là, le sujet principal, c'est évidemment, c'est Marseille. Et les Marseillais... Au mois de janvier, ça me permet de souhaiter la bonne année à tout le monde et de rigoler avec eux. Et puis voilà quoi. Et puis j'avais envie de il n'y a pas d'ambiance comme ça, un petit peu cabaret à Marseille avec des tables. Oui, ce sera une où les gens, voilà, boivent une coupe de champagne, et tout ça. Voilà, une bouteille pour 4 personnes. Ouais. Voilà, donc quoi. Des petites tables. Des petites tables, voilà. Et puis voilà, c'est ça, de 4 personnes, c'est du cidre. Il y a du cidre. C'est du très bon cidre. Voilà, voilà, c'est ça. C'est le concept de l'humour. Voilà, c'est ça. Et donc on a créé le lieu, le cabaret aléatoire qui existe déjà, mais on va en faire une petite bonbonnière, on espère. Il faut dire que la Belle de Mai, c'est un lieu, un quartier à Marseille qui vous tient particulièrement à cœur parce que vous êtes né. Là où je suis né à la maternité de la Belle de Mai, juste derrière. Donc j'ai mis 50 ans pour aller de la maternité à la Friche. Après, on dirait que je suis pas marseillais. Que vous êtes, bien évidemment. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie de le faire à la Belle de Mai. Alors c'est un peu compliqué de parler d'un spectacle dont on n'a pas d'image parce mais que vu qu'il n'a jamais été joué. Vous savez, à la télé, comme ça, vous savez, sur les grandes chaînes, vous venez toujours. C'est magnifique. Alors on fait un spectacle magnifique, un film. Sur les grandes chaînes, on peut faire pareil. Mais oui, mais moi, ce que j'aimerais bien savoir en fait, Patrick, c'est ce spectacle. Non, sur les chaînes nationales. Pardon, excusez-moi. Vous allez moins parler de votre famille, moins parler de vos collègues, mais plus des Marseillais. Mais c'est-à-dire, on a envie de savoir un petit peu à quoi ça va ressembler ce spectacle. Donc, c'est quoi un petit bilan sur la ville. En fait, je parle de 2600 ans en arrière. Ça démarre là. Ouais, ça démarre là. Parce que ce qui est magnifique, voilà, mais c'est bizarre, c'est qu'on est arrivé 600 ans avant Jésus-Christ. On était là avant, quoi. Donc voilà, c'est ça qui est magnifique, quoi. C'est-à-dire que. Et donc voilà, je vais raconter toute cette histoire de la Grèce, des machines et tout ça. Mais ça va durer combien le spectacle ? Le spectacle dure 6h30, il est en 4 parties. Et après on va arriver très vite aux vagues d'immigration. Alors les vagues d'immigration, la création de Marseille. Les Marseillais, voilà, de tous leurs défauts, l'exagération, d'où ça vient, pourquoi on met 8 jours pour monter à Aix, pourquoi on est 6 heures, pourquoi on dit monter à Aix, pourquoi il fait 1000 degrés, nous, de température, tu vois, toutes ces choses. Là, tout ce qu'on aime, je disais tout à l'heure dans le sommaire, tout ce qu'on aime, est-ce qu'on déteste à Marseille, évidemment, c'est ça un petit peu l'OM, vous pouvez pas faire autrement. Plus belle la vie, tout ce qui se passe ici, en culture, en drôlerie, en farfalé. C'est un spectacle ouvert. C'est un mot magnifique, non ? Dis-moi, c'est un spectacle qui est ouvert qu'aux Marseillais ou si tu Non, c'est un spectacle ethnique, mais quand je dis qu'aux Marseillais, qu'à Marseille, parce que je vais le jouer que là, que je l'ai écrit. Mais si on n'est pas de Marseille, on comprend. Oui, après évidemment, les ramasse. Par exemple, les poubelles. Les extraits, l'autre fois. Voilà. Et alors, vous en avez pensé quoi ? Ah, mais moi, je le dis. Je pense que ce spectacle, il peut jouer qu'à Marseille, mais il peut jouer qu'à Bordeaux. parce que c'est universel, tout ce dont il parle. Il m'en a fait quelques extraits, je peux me permettre de le dire. Comme ça, seul, hein, dans le lit, on était tous les deux. C'est vrai, un petit rapport. Je suis en train de m'humiler, tout ça. Et après, on va ramasser des mégots. Par contre, je tiens à vous offrir la bouteille de l'étonique de Catherine pour la prochaine fois. Voilà. C'est drôle. Oui, vas-y à ma place, j'ai du mal à le voir. C'est drôle, c'est tous les préjugés, tous les clichés aussi qui sont. Qui sont bien traités, tous ces Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, justement, parmi tous ces sketchs et tout ce à quoi il fait allusion ? Est-ce qu'il y a un exemple en particulier c'est pas des sketchs, d'un truc c'est pas des sketchs, mais des thèmes, des thématiques plutôt, qui parlaient de l'OM, des Marseillais. Les scooters qui sont toujours devant, quoi, avec le petit scooter qui nous énerve, ming, qui veut toujours se faufiler comme ça. Et quand on est devant un scooter à Marseille, d'un coup, tu te retrouves et tu veux. T'as l'impression d'un coup que tu deviens pilote de course et tu veux gagner la course. Alors qu'il n'y a aucune course à gagner, mais tu veux arriver le premier au feu rouge d'après. Oui, c'est vrai. Alors que quand t'es parti de chez toi, tu savais pas que t'étais une pilote de scooter. Tu le savais pas, puisque tu es en Birkenstock et en short. On n'a jamais vu des pilotes de moto en Birkenstock et en short, tu vois. Et d'un coup, tu vas arriver le premier. Et d'un coup, tout le monde se regarde et tu dis « Ah, oh, comme je vais le niquer. Hein. » Au feu rouge, j'arrive le premier. Et donc, c'est tous ces travers, le dodane qu'on veut prendre sur le côté, que sur deux roues. Ouais. Tu vois, parce qu'on veut ruiner que deux roues. C'est pas grave, quoi, tu vois. Alors qu'on roule sur quatre roues. Mais le dodane, tu veux le prendre sur le côté.
si t'es pas bronzé, t'es malade, tu vois. Le Québec, parce que nous, on boit pas du coca, on boit du Québec. C'est comme du coca, mais encore plus sucré. Tu vois, c'est-à-dire, tu te vois grossir en le buvant. C'est-à-dire, tu vois, tu peux mourir après avoir bu une bouteille. D'un coup, t'es diabétique. Et moi, j'adorais ça parce que j'avais vu le général de Gaulle à la télé qui avait dit et vive le Québec libre. Alors, il y a mon père, il faut voter pour lui. Il y a, voilà, qu'est-ce que de quoi l'OM, quoi, l'OM, c'est pas possible, vous voyez ce que je veux dire, ou des choses comme ça, Valbuena. Ouais. Moi, j'adore Valbuena, vous voyez ce que je veux dire. C'est, vous, je veux pas dire les trucs, mais. Est-ce que vous chantez dans le spectacle? Magnifique. Non, moi, on a appris, vous aimez bien par chanter, exemple, Patrick, Valbuena, il avait comme voiture, vous savez ce qu'il avait comme voiture, Valbuena, elle avait Hummer. Ouais. Vous voyez ce que c'est, c'est les humeurs ou pas? Bah oui, c'est voiture, un gros truc. Ouais. Pour que le sente bon, il faut découper un vrai sapin pour peindre au rétroviseur. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il faut aller au Canada. Il arrive à rentrer vous dedans. Coupez un grain de sapin, vous le mettez au rétroviseur, la voiture, le sent bon. Mais lui, il a acheté ça comme voiture. C'est rigolo. Pour monter, il faut appeler les pompiers dans la voiture et tout, c'est compliqué. Ne c'est nous faites pas tout le spectacle. Voilà. Donc, non, voilà. Il faut venir. Voilà. Il faut venir. Catherine, je ne comprends pas pourquoi vous dites que ce spectacle n'est pas exportable. Parce qu'il y a des gens qui l'ont essayé partout. Mais parce que j'ai envie de le jouer ici. Vous voyez, j'ai passé 20 ans sur les routes, j'ai fait plus de 1000 représentations, nanani, nanana, j'ai joué de partout et tout. Et donc, c'est marrant, quoi, quand vous allez... et en fait, c'est avec Danny Boone, quand je l'ai vu une fois faire un spectacle à Lille, et il le jouait quand je dis. Et franchement, je me suis dit, il doit prendre un plaisir énorme parce qu'il peut parler de trucs, d'expressions, oui, de machin. Tout le monde va sur comprendre. Sur mes spectacles précédents, j'étais frustré de ça, je ne pouvais pas, vous voyez, je me disais... Je ne peux pas parler de ça, je ne vais pas dire ça, parce que si je vais jouer dans les Ardennes, à l'Olympia, les trucs, les machins, je ne pourrais pas. Alors que là, je peux parler de choses qui me touchent, vous voyez. Il y a Jules César qui vient chez moi, je lui demande s'il a acheté ses sandales à Vintimille, parce qu'elles sont magnifiques. Il n'y a que nous qu'on peut comprendre ça, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, à ce moment-là, voilà, quoi, je ne comprends pas comment ça se fait que les Grecs, ils allaient en bateau aux Nouvelles Galeries. Vous avez vu, il y a plein de bateaux grecs aux Nouvelles Galeries, mais ils allaient en bateau, quoi. Et ils sont partis en courant, et les amphores et tout ça. Dès qu'on prend une trou, il y a un trou, un truc grec, vous voyez, on a l'impression qu'ils sont partis en courant. Bon, tu sais, ça donne envie, en tout cas. Quoi, tu vois, ramasser vos trucs, quoi, ça tu vois. Et donc, voilà, entre tout ça, toute cette vague d'immigration successive, vous voyez, et puis évidemment un petit peu la religion et tout ça, mais tout ça c'est un spectacle, j'allais dire politique, mais drôle, quoi, parce que moi je peux pas forcément dire les drôle, choses si je fais pas rire, vous voyez, et voilà, quoi. On mais vous on voit aussi au cinéma pas mal. Non, Patrick, pas on peut espérer, enfin on vous a vu d'ailleurs dans les mêmes productions. Il vient de tourner dans Pamela Rose. D'accord, bon, super, donc des la projets suite de Pamela Rose. Mais ne le dis pas. Il joue quoi? Si on veut savoir. Il a besoin du lait d'anaise de Catherine. Comment? Il a besoin du lait d'anaise de Catherine. Je l'ai fait jouer un parisien, en fait. Non, avec Avec l'accent. Mais tu m'as tué, c'était qu'à Marseille. Alors, le mec fait partout. Il faut regarder comme c'est beau Paris. Bordeaux, c'est magnifique. Oui, ça va être au cinéma. Il est marseillais. Non, je suis un concept, pas mérité. Je suis pas né là et tout ça. Mais bien sûr, c'est une escroquerie. Bon, on attend de voir ça. Alors, avec l'accent pointu, comme avec l'accent pointu. Avec l'accent pointu. Non, il n'a même pas cherché. Non, il est lui-même. Ça peut être un Marseillais qui vient à Paris et qui aime Paris. Ça arrive. Non, ça ne peut pas arriver. La ville de Paris. Paris, c'est une belle ville, Catherine. Ah oui, Catherine, c'est une belle ville. Dommage moi, que les Parisiens. Je vais faire un petit tour de bateau mouche avec moi, on va se faire les ponts ensemble. Catherine, oula, c'est une invitation. C'est une invitation. Enfin, c'est pas sérieux. Il descend derrière le c'est Grand la Paris. Veste. C'est la veste. C'est la veste. Vous avez flashé. En fait, elle vous a hypnotisé. Moi, j'adore. Je trouve que Marseille est une ville extraordinaire, mais Paris, par certains aspects, c'est une belle ville aussi, franchement. Je ne parle pas de la mentalité des Parisiens, je parle de la ville. Bon, vous êtes bien chez nous, en tout cas. Merci, ça a beaucoup aidé mon spectacle. Vous êtes passé comme on vous a. Malheureusement, on n'a plus trop de temps, mais on ne vous a jamais eu sur ce plateau. Vous vivez à Marseille, mais on veut que vous veniez. Je fais des confitures, moi. Je fais des confitures. Vous vous trouvez bien chez nous, Marseille. Oui, vous avez choisi cette ville, vous habitez à Marseille. J'ai beaucoup de demandes de votre famille, vos amis. J'ai un restaurant à Marseille, vous savez bien. Mais oui, on le sait, le perroquet bleu. On le sait. Il a cadé. Alors, c'est vrai que le perroquet bleu. Et Marseille, toi, doucement, s'il te plaît. Voilà, je vous jure, au mois de mai. Perroquet bleu, Hereda, votre frère. Oui, merci mille fois. Il faudra revenir peut-être un peu plus longuement, mais je ne sais pas, nous parler là, de vous. On travaille tous les deux sur un projet, on peut dire quand même qu'on a oui, un projet dites-le, ensemble. Oui, dites-le, avec plaisir. Sur quoi vous travaillez? Eh bien, vous verrez. Ça vous va très bien. J'espère que vous verrez. Bah, le problème, c'est qu'on est dans la réflexion, c'est ce qui est le pire. Ouais. Et on passe beaucoup de temps ensemble, et d'abord, on rigole beaucoup, mais on a un vrai projet ensemble. J'imagine. Et moi, j'ai très envie. De faire quelque chose avec Patrick, parce que son univers, ce qu'il est, ce qu'il dégage, l'acteur qu'il est, l'homme qu'il est, me donne envie, moi. Vous savez, j'ai envie de faire un film d'un autre, et peut-être avec Patrick. Voilà. Oh,
bah, et peut-être bien. À Marseille. Bon, on le souhaite. Voilà. On le souhaite. C'est magnifique. Mais bon, pas besoin d'une journaliste, non, dans le travail. Sud. Mais ça va dépendre, ça va dépendre. Parce que le réseau, on ne sait jamais. Ça va dépendre du réseau. Si il n'y a pas de problème. Super. Bon, merci mille fois. Il y a des places. Il y a des places. Non, attends, mais t'inquiète, je rappelle le truc. Donc, qu'à Marseille, qu'à Marseille, c'est au cabaret aléatoire de la Friche de la Belle de Mai tous les jeudis, vendredis et samedis de janvier. Et je vais chanter aussi. Donc, une idée de cadeau pour Noël, par exemple. Patrick chante à l'occasion. On n'aura pas le temps, malheureusement, ce soir. Il reviendra nous chanter avec nous. Et puis, il y a des places à gagner. Donc, n'hésitez pas sur le site de la chaîne www.lcm.fr pour gagner des places pour le spectacle de Patrick Bosso. Oui, il y a des places à gagner. Inscrivez-vous vite. Donc, en janvier. Et puis, voilà, bonne idée de cadeau pour Noël. Le spectacle de Patrick, franchement, ça va être sympa. Vous buvez le champagne en même temps. Et voilà. Vous allez rigoler. Passez une excellente soirée. Bien démarrer l'année. Mais bien évidemment, je vais venir. Et j'y serai en prime. Allez. Victoria merci. Mais attends, vous m'avez fait des compliments sur mes cheveux.